Les amis, bonjour, c'est Colette. Donc, suite donc, de la préparation, j'ai mis donc, les oignons, l'ail, voilà, le gingembre. J'ai ajouté donc, le poivre, donc le curcuma, voilà, que je fais donc revenir. Et ensuite, un peu de sel. Bon, le sel, comme vous le savez, je n'en prends pas énormément. Voilà, mais on met donc du sel, un peu de poivre, voilà, et tout. Et puis après, je vais mettre donc, je vais ajouter donc un peu d'eau et je vais mettre donc les crabes. Voilà. Voilà, j'ajoute un peu d'eau. Je vais laisser bouillir un tout petit peu, voilà. Et je peux mettre donc là le crabe. Voilà. Mettre les morceaux donc de crabe. Voilà. Les morceaux de crabe, voilà, que je mets. Donc, dans la sauce. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais ajouter un tout petit peu de sel, mais très très peu parce que je ne prends pas énormément de sel en fait. Voilà, j'utilise voilà du sel fin. Voilà. De très très peu de sel. J'ai également un peu de thym que je vais ajouter. Du thym, voilà, comme ceci. Voilà, je vais ajouter donc un peu de thym.
Voilà, comme ceci. Je vais mettre donc un peu de thym. Je vais laisser bouillir pendant à peu près 20 minutes, à peu près. Ajouter peut-être encore un peu d'eau. Je vous dis à tout à l'heure les amis, voilà, je laisse donc bouillir donc la sauce. Alors je rappelle, sauce au crabe, donc crabe, oignon, gingembre, ail, thym, poivre, un peu de sel, voilà, un peu de tomate fraîche écrasée, voilà, du curcuma, voilà, et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci les amis.